Mais tu vois, par exemple, il parlait, lui m'avait dit, le coach, il est obligé de prendre Captoum. Parce que c'est office d'Eto. Et moi, j'ai aucun contact, j'ai rien là-bas. Donc, si par exemple, il me prend, il me prend et je dois jouer, tu vois. Parce que moi, même le match amical contre la Zambie, je lui ai montré, le coach, il était gêné là, il ne veut même pas me regarder dans les yeux, tu vois, c'est la de la liste. Il me regardait même pas les yeux. Après, il m'a fait dans sa chambre, il dit, ouais, je suis désolé et tout. Moi, je lui dis, coach, j'ai pas de soucis. C'est mon pays, je connais mon pays, tu vois. Je connais mon pays, vous inquiétez pas. Je sais comment ça se passe. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, j'ai tout donné, j'ai fait beaucoup de sacrifices. C'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Mais à cause des magouilles, les Africains, on va jamais rien faire dans les Coupes du Monde. Ça s'arrête en Afrique, c'est tout. Parce que le talent, la qualité, la personnalité du joueur, il passe pas. C'est comme ça toujours. Et là, il m'a dit, il est obligé de prendre Captoum. Parce que Captoum, même s'il joue pas, il est content d'être là. Alors que moi, s'il me prend, moi, j'aspire à être titulaire. Donc, s'il me met pas titulaire, ou bien s'il me fait pas jouer un match, je vais bouder. Et là, c'est mauvais pour lui, tu vois. Ah, ce coach-là, laisse tomber. C'est un fou. En fait, je vais te dire. Il y a le groupe, par exemple, Oyongo, Anguissa, qui encore, Faye, c'est des gars, eux, ils aiment pas Eto, tu vois. Ils aiment pas Eto parce qu'ils ont bien compris qu'il fait trop de magouilles. Et les joueurs, ils étaient choqués. En fait, la veille du match, la Zambie, c'est où il y a eu la confirmation que Ongen et moi, en fait, quoi qu'il arrive, on part pas à la CAN, tu vois. Et je te jure que, en fait, les joueurs étaient choqués. Même Choupo-Moting, il est allé voir le coach. Il est allé voir le coach que, ouais, non, c'est pas possible, tu vois. Il faut refaire là, il faut voir. Le coach l'a dit non, c'est comme ça et tout, c'est déjà fait. Il était choqué. Sidor, c'est une marionnette. D'abord, il est nul comme coach, il faut pas croire. Il est nul. Quand tu t'entraînes avec lui, frérot, je te jure, t'es choqué comment il est nul. Il est trop nul. Après, Akono, juste parce que sa soeur a fait un enfant avec Eto, il le garde pour l'amener au Qatar. C'est pas un truc de fou. Akono sans club, il vient de signer, je crois, la réserve d'un club en Autriche là, ou en Pologne, je sais pas où. Pendant un an, il faisait des essais partout en France, on ne le prenait pas. Eto, il est même parti à Brest pour essayer de mettre la pression pour qu'il signe là-bas. Brest a dit non, on ne le veut pas. C'est un truc de fou, ces gens. Ils sont malades, ils sont fous. Ils sont sans limite, ces happy là. Ils sont sans limite. Et ils font pire que Maxime Nana, que Chami, tout ça. Ils n'ont jamais osé ça. Ils prenaient de l'argent, mais ils prenaient des joueurs au moins qui avaient des clubs, qui jouaient, tout ça. Mais eux là, non, c'est des fous. C'est des fous. Après, Banana, il n'a pas joué de la saison. Il a joué, je crois, 10 matchs dans la saison, je ne sais pas combien de matchs. Le coach, il le prend parce que le coach, il lui a dit non, t'inquiète pas, je vais essayer de te vendre dans les pays du Golfe. Donc, tu laisses Ongené parce que tu prends Dawa et tu prends Banana. Moi, le coach, il me dit non, mais tu sais, Akono, c'est un amateur et il a beaucoup progressé. Il m'a montré qu'il a envie. Donc, j'ai envie de lui donner sa chance. Mais quelle chance tu vas lui donner là? Quelle chance tu vas... On n'est pas là pour donner des chances aux gens. On est là pour prendre des joueurs qui sont compétents. Et Captoum, parce que c'est le fils d'Eto, mais Captoum, il est à Séville, mais il joue pas, on s'en fout qu'il soit à Séville. Dans ce cas, alors moi, je peux aller aussi, je pars, je signe à Rennes, ou à, je sais pas, je signe à Séville et je suis remplaçant, je dis non, moi aussi, non, faut jouer. Et les gars, ils jouent. Captoum, il est pris, mais il a pas fait un match. Et Arnaud Djoum, il me dit, Captoum, il est grave content, qu'il comprend pourquoi le coach a pris Captoum. J'ai dit, ben oui, Palais, il m'avait dit, parce que Captoum, il peut pas revendiquer une place de titulaire. Donc, pour le coach, c'est mieux. Alors que s'il prend Boumal, moi, je vais revendiquer une place de titulaire. Au moins du temps de jeu. Et ça, le coach, il peut pas accepter. Il aura mal, tu vois. Il aura mal de faire un choix. Il aura du mal. Ah, c'est des merdes, je te jure, ce pays, c'est des merdes. Ben, tu te rends compte. Dawa. Un an, il a joué 5 matchs en un an. Mais comme son coach en Ukraine, il joue dans un faux club en Ukraine, un faux club. Il joue même pas remplaçant dans un faux club en Ukraine depuis un an. Son coach, c'est l'un des meilleurs amis de Sidor. Le coach, il le fait pas jouer dans son propre club, mais il a la voix en sélection. Comment tu peux comprendre un truc comme ça? Il n'y a qu'au Cameroun, tu vois les choses comme ça. Même au Benin, tu peux pas voir ça. Même au Benin, tu peux. Et le coach, il prend Dawa, il prend pas Ongené. Il dit à Ongené que Dawa, il a progressé pendant les 4 jours de stage. Comment tu peux dire ça à un joueur? Ongené, il joue l'Europa League. Il joue titulaire au Red Bull Salzbourg. Un bon club. Et toi, tu viens de dire que Dawa, il a progressé. Comment tu vas voir un joueur progresser en 4 jours? Arrête, il faut être sérieux un peu. 4 jours. Après, il prend... Mais tu sais que... Bon, moi, je voulais pas juste dire ça à Prince, à Laurent, parce que... Tu vois, je sais, la famille, tu vois, ça les touche si je les dis des trucs. Il y a certains trucs que je peux pas les dire, tu vois. Mais moi-même, avant d'aller à Madrid, j'avais déjà les infos comme quoi je n'irais pas à la CAN.
tu vois. C'est-à-dire que tout était déjà classé, tu vois. Onguene, avant d'aller à Madrid, il m'appelle, il me dit, tu as entendu l'info et tout qui est sorti. Je dis, ouais, j'ai entendu. Il m'a dit, toi et moi, apparemment, on est dehors. C'est-à-dire qu'il faut peut-être des blessés ou des malades pour qu'on ait à la CAN. Et finalement, on n'est pas allé, tu vois. Sans raison. On a même demandé au coach, ouais, donne-nous des donne-nous un truc. Il n'a rien dit, frère. Il n'a rien dit, frère. Il n'arrivait pas à parler. Il était gêné, il n'arrivait même pas à nous regarder dans les yeux. Mais après, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, tu vois. C'est le pays, hein, c'est le pays. Après, je te dis ça, mais gars, tout ce que Eto'o touche, là où il est, ça marche pas, gars.